Alors, aujourd'hui, on se retrouve. Je viens de recevoir une nouvelle box. Alors, je me suis désabonnée de la Blissim parce que je trouvais que c'était plus très top. Enfin, les produits ne me correspondaient pas, j'aimais pas trop. Voilà. Donc, j'ai voulu essayer My Little Box. Voilà. Donc, mon mari a ouvert, mais moi, j'ai pas regardé, promis juré. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. On ouvre. Oh, my little box, vous voyez. Nouvelle lune, la boîte est magnifique. Oh, je pense que celle-ci, je vais la garder. D'habitude, je la donne à ma fille. Celle-là, je la garde. Je vais la garder. Elle est superbe, en plus bien rigide. Donc, on peut y ranger ce qu'on veut. Des bijoux, du thé, des culottes, ce qu'on veut, quoi, des chaussettes. Voilà, du maquillage. Voilà. Donc, nouvelle lune. Alors, on va ouvrir et puis on va voir comment ça se présente. Attention, attention, attention. Ouh. Ouah, c'est trop beau, j'adore. Oh, j'adore tout ce qui est stellaire, les lunes, les étoiles. J'aime tout ça, donc j'adore. On ouvre. Attention. Donc, un joli petit ruban que voici. Une petite carte. Regardez un petit peu comment ça se présente. Alors sur la petite carte, alors ça c'est une petite carte qu'on peut garder, qu'on peut encadrer. Ça peut faire sympa. Alors, il y a écrit une phrase en anglais. Je ne vais pas vous la lire parce que mon anglais, il n'est pas waouh. Voilà, je la garde. Donc, nous avons un petit pochon avec donc sûrement des produits dedans. Nous avons une petite pyramide avec la pierre philosophale. Je ne sais pas c'est quoi. On a un petit paquet et on a un autre petit paquet. Voilà. Et on a, je vous lirai à la fin, un indice de la prochaine box. Alors on commence par le pochon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le pochon? Alors, on commence par quoi? Au hasard, hein. Wouah! Un produit Kérastase. Alors ça, c'est pour les cheveux. J'aime beaucoup cette marque. Donc je sens que je vais bien aimer. Tiens, il y a la petite carte dedans qui nous dit un peu ce qu'il y a. Bon, pas vraiment. Non. Donc c'est un masque nutritif. Un soin nutritif concentration d'exception pour les cheveux desséchés et très sensibles. Ben, c'est pour moi parce que mes cheveux sont pas. Ça sent bon. Donc, c'est un joli petit format. Bon, c'est pas le format full size, mais c'est un joli petit format qui fait 75 millilitres. Donc, ça donne largement pour essayer au moins 3 fois parce qu'on n'en met pas beaucoup. Voilà, joli produit. Deuxième produit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un. Ouh, bah dis donc, il m'en manquait des highlighters. C'est vrai que dernièrement, j'en ai pas trop. Hein. J'en ai même un peu trop, on va dire. Je m'en suis acheté tout. Donc celui-ci, je pense qu'il est pratique. C'est un petit stick. Alors, il est comment? Oh, il est joli celui-là. Il est un peu rosé, nacré. Je ne sais pas si on voit. Il est joli. Donc c'est de la marque My Little Beauty. Ouais, je vais mettre sur ma main, peut-être qu'on verra un peu. Alors ça, c'est pratique. Il est un petit peu. Il est joli, hein? Ah ouais, je sens que je vais bien aimer ça. C'est pratique comme ça en stick. On range même dans son petit sac. Pas mal. Je like. Donc ça commence bien. Ça commence plutôt bien. J'aime bien. On continue. Alors, il y a un dernier produit dedans. Wow! Make-up forever! J'adore! Donc, c'est l'Hydra Booster. C'est le Step One Primer. Ouais, il me semble qu'il est chez Sephora aux alentours de 35 euros. Et là, c'est un full size. Donc, oui, j'aime beaucoup. Je trouve ça super. C'est, je pense, le meilleur produit qu'ils ont dû mettre là dans la box. Donc, voilà, c'est le full size. Vous allez me dire à quoi ça sert. Alors, c'est une base de maquillage hydratante perfectrice, donc à mettre avant le maquillage. Alors, dedans, il est comment? Voilà. Et si je le mets là, ouf, il est un peu teinté. C'est une base de maquillage. Alors, vous l'appliquez, vous vous maquillez après. Voilà.
Il sent super bon. Bah là, je dis, wow, super, je suis contente. J'ai bien fait de changer ma box de la Blissim à My Little Box. Je suis super contente. Ça change, voilà. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est les en trois maquillages donc qu'il y a à l'intérieur. Voilà, dans le pochon. Ensuite, on a ce qu'ils appellent des goodies, c'est-à-dire des petits objets ou voilà. Donc on va commencer par ça. Alors ça, c'est le tarot. C'est un tarot en fait. Donc des cartes de tarot. Alors je l'ouvre comment? Je l'ouvre comment? Là. C'est des cartes de tarot. Donc pour tirer les cartes. Bon, je ne suis pas voyante, hein, mais pour s'amuser, pourquoi pas. On peut s'amuser avec. Je pense que mes filles vont s'amuser avec. À se tirer les cartes, ça peut être sympa. Alors j'arrive pas à l'ouvrir. C'est pratique, hein, pour vous montrer. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Normalement, le tarot marseillais, il y a plus de cartes. Parce que je sais parce que je l'avais déjà acheté. Celui-ci, il y a moins de cartes. Alors, je ne sais pas, ça colle là. Et j'arrive pas à l'ouvrir. C'est génial. Alors, ces petites cartes. Oh, elles sont belles. Ça, c'est d'un côté. Et ensuite, là, de ce côté. Alors, on doit, avec le QR code, vous expliquer comment on tire les cartes, hein. Voilà. Très sympa. Plutôt joli. Ces petites cartes. Bon, enfin, je donnerai à mes filles, je pense qu'elles vont me tirer les cartes comme ça, elles vont lire l'avenir, peut-être qu'on aura un meilleur avenir, hein, sans Covid, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ça c'est un premier goodies. Deuxième goodies, donc là on a la pierre philosophale, petite pyramide. Voilà, comment je l'ouvre? Je vais tout déchirer, ça ira plus vite. Oh, c'est un bijou! J'adore! C'est un bijou! Un petit bijou. Alors, c'est un collier, vu comment c'est très très long derrière. Je pense que c'est un collier. Gris-gris pour style magique. Elle est superbe, la pierre, regardez. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, super joli. Bah, je suis contente de ce petit goodies. Donc, voilà. J'aligne tout comme ça on voit. Et ben, je suis contente. Et on continue avec la dernière petite boîte. Avec, il y a écrit dessus, tombée du ciel. Coupelle surnaturelle. Coupelle surnaturelle. Donc je suppose que c'est des coupelles. Une coupelle du moins. Surnaturelle, je ne sais pas en quoi elle est surnaturelle. On va voir ça. Hop, waouh. Oui, c'est des pas, c'est en deux. En deux parties, donc c'est une première coupelle comme ceci. Voilà. Et la deuxième, c'est la lune. Comme ceci. C'est joli, hein? Waouh. Posez, tiens, là, les boucles d'oreilles. Puis là, les colliers. Ça peut être très, très joli. Ah, je suis contente. Je suis bien contente de ma nouvelle box. Je suis bien contente d'avoir changé ma little box, enfin Birchbox par ma little box. La boîte est magnifique. Un petit ruban. Voilà. Et ben ouais. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est génial. La boîte rigide comme ça, elle est super belle. Et donc, pour le coup, on nous met un petit papier avec écrit un indice sur la prochaine box. Donc, en mars, nos racines ont des ailes. On s'est greffé à la marque de beauté issue de la vigne. Bon, bah, la vigne, je me doute que c'est Caudalie, oui, effectivement. Donc, la box, en fait, de mars, il y aura forcément un produit Caudalie. Voilà, donc ça, c'est le petit indice. On vous met tout le temps, apparemment, un petit indice pour la prochaine box. Voilà. En tout cas, moi, je suis super contente de ma nouvelle box. Ben, je suis très contente d'avoir changé et je suis pressée de recevoir ben, la prochaine de mars. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous avez eu la même chose ou pas. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous. Moi, j'en suis super contente. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle box. Beauté, vêtements ou autre. Et à très bientôt.